Bonsoir tout le monde, si c'est la première fois avec nous sur News ID, nous avons demandé pour un bouton rouge en bas pour pouvoir peser sur lui ou bientôt, pas oublier de peser sur la cloche là pour pouvoir être connecté à l'information que nous avons partagée. Eh bien, nouvelle qui s'allie, c'est que Donald Trump fait commencer une nouvelle bataille avec les démocrates sous cause Obamacare. Nous avons parlé pour tout le monde, il y a un combat Donald Trump qui a mené depuis 2 ans là. On dit combat ça presque over, c'est concernant rapport Mueller qui nous connaît dans semaine en relevé que yo pas joindre côté que le mal complot, bien que entre parenthèses gen baï k'ap continuer parler sous lui, mais plus ou moins nous t'a dit c'était un débarras pour Donald Trump. En fait yo fait on dit dossier ça t'a fait poser Donald Trump, eh bien li annoncé ça n'a relé la dernière bataille de Obamacare pour le sauvetage de Obamacare. Obamacare passé en pile péripétie pour le capable rester là, parce que depuis 4 dernières années Obama était sous pouvoir là, républicain qui était contrôlé pouvoir législatif là plusieurs fois, il était voté pour repeal Obamacare. Nous pas contrôler combien de fois il a voté pour repeal là, ça il pas arrivé gain, et dernièrement nous tout suivre en pile combat qu'a fait bien que il était gain majorité dans les deux chambres, il pas arrivé mettre dos et programme healthcare ça à terre qui campait en face. Nous rappeler vote McKinnon qui était découragé nèg yo. À la dernière minute, en fait, Donald Trump qui constatait tout bon vrai, gain possibilité pour ta quitter pouvoir puisque élection va faite en 2020 sans qu'elle pas arriver mettre dos Obamacare à terre. Dernière tentative que nèg yo a fait là, c'est au niveau de la justice, nous connaît que gain en paix state, notamment des states républicains qui te traîne un dossier à la justice pour te dire que c'est inconstitutionnel. D'abord, c'est pour la deuxième. C'est pas pour la première fois que le dossier Obamacare a la justice. Il est allé dans la Supreme Court déjà. Il a été perdu. Donc, pour montrer que valait péripétie, il a ça avancé. Mais, c'était qu'il a été relé dossier à la justice. Il a dit que c'est inconstitutionnel. Sous prétexte que dernière modification qui se fait là-dedans. Là. Côté, il dit pas de mandat, notamment qui parle entrer en action l'année prochaine au niveau de taxes. Il pas appliqué pour année ça. Mais c'est sous base ça, eh bien, un pile moun saute estomaqué pour constater que lundi qui s'est passé là, le département de la justice dit que yo corré à 100% décision que le juge te prend pour dire Obama qui est inconstitutionnel. Au départ, ce n'est pas ça que tu dis. Au départ, on te dit qu'il y a une bonne partie qui aurait mené Obama qui est là. Qui est obligé de dire, parce que on a parlé pour vous, il y a une partie d'Obama qui est là qui dit par exemple, ça nous est le pre-existing condition. Nous connaissons que dans le système santé, il y a parfois là un monde malade, yo tellement malade et yo monté quoi énorme pour ou, yo dit gon condition qui t'a supposé exister pour capable gain bon assurance, mais pour capable faire estimation combien vous payer, Obamacare a été retiré bagage ça gon bon avantage li bay notamment petit ou qui capable rester sous lit même lorsque il gain 26 ans. Et sous base ça, Donald Trump et Ali étaient toujours dit yo même son bon bagage yo tablé qui pour changer dans loi. Eh bien, c'est la grande surprise pour que yo apprenne que lundi dernier, département de la justice, on dit administration Donald Trump, et eh bien, voyez by côte, circuit côte, fifth circuit côte, côté à pile à discuter, pour yo dire même yo corré à 100% décision pour complètement détruire Obamacare, complètement éliminer. Ça t'a dit qui ça, administration Trump, on dit, il n'est pas rentré dans l'idée, puisque c'est le cap dirigé pour aller back-up en Ken Obamacare, et même parler des modifications. Complètement éliminé. Et n'a pas le monde, c'est des millions de monde qui, au niveau de Obamacare, sont véritables tête chargée de travail, si ça a été arrivé fait. Donc, nouvelle là annoncée lundi tout passé là. C'est comme ça que, mais démocrates ont dit bon, il faut réunir tout bon vrai pour livrer dernière bataille ça, puisque nous connaissons 2020, c'est élection pour nouvelle, pour capable de un nouveau président, qui capable de tromper tout, nous ne connaissons pas, mais il y a pile chance, tout le monde connaît pour le patron. Trump, par exemple, connaît, Trump, bien doit parler. En ce sens, président Donald Trump, choisi livrer dernier bataille ça, bataille judiciaire pour lui renverser complètement Obamacare. Mais une action qui est vraiment dangereuse parce qu'il prend la guerre des bras pendiers des millions de monde. Donc pas oublier que Nabdou bien dans moment dossier Obamacare ali en a pile, l'a discuté au niveau de la justice et nous bon garantie li ka arrivé juste dans Supreme Court. Ça va dépendre de sak soti au niveau de Apila et non il va Apila kounya moun k'ap backup li c'est des états comme la Californie, des états républicains et
chambre des députés à tout qui partie prenante pour combattre et à pile combattre décision ça te prend pour ta renverser loi. Gagné si ça t'a fait mes amis, yo gon estimation de 20 millions moun qui a lagué sous béton sans assurance. Donc c'est pas ti causé qu'a parlé là. Les nous considérer gens notion d'assurance dans pays pas bon, c'est important pour capable vivre li déjà à l'hôpital ou pas gain assurance ou capable voir qui j'en recevoir ou pas même garder ou même ou te mettre malade on dirait que pour ou même ou te mettre mourir. Donc notion de assurance santé c'est un bagage qui capital. Donc Donald Trump qui voulait livrer dernier bataille ça et bien que donner ou montrer que pifo américain souhaiter conserver un ensemble de bagages qui n'est Obamacare là. Et en pire république, c'est pas une bonne idée pour que ouvertement Donald Trump choisisse libre bataille ça. D'ailleurs, focus maintenant, c'était sous bagaille rapport Mueller. Donc, M. Bay, démocrate, ont un avantage pour suspendre parler de rapport Mueller. Ça qui t'a semblé, entre parenthèses, yon, on dit, bien qu'il part en total défaite, mais on mis une défaite puisque ça a battu non. Yo beaucoup j'aime bien joindre ni. Donc c'est comme quoi Donald Trump bail démocratio justement possibilité pour yo tourner sujet à autour de bataille ça possibilité tout pour yo renforcer tête puisque nous connaît gien des points de division au niveau des démocrates notamment au niveau de causer impeachment là gien en pile là qui dit faut impeach Trump faut rejeter gien Pelosi avec un monde qui dit il pas bon meilleur moment yo gien des divergences sous projet Green Deal là, de New Green Deal. Maintenant, on dit, nouvelle bataille, ça, bah, yo possibilité pour yo mettre tête ensemble autour d'un fonds commun, qui c'est qui ça, protéger, défendre du bec et des ongles, eh bien, Obamacare, qui une fois de plus, c'est pas pour la première fois, menacé par les républicains. Yon loi qui votait depuis 2010, qui, pral, on dit, qui pratiquement, parti pour 9e année, mais depuis le vote, c'est pas bon année pas passé. Que les républicains pas sémenté 77 fois 7 fois, faut qu'ils finissent avec. De toutes les façons, ils voulaient overturn loi ça. C'est sous le fait que loi ça a gagné ensemble davantage de série de monde qui pas gagné corbe et autres. Maintenant, les démocrates qui t'a réuni hier à porte fermée, notamment caucus démocrate a expliqué dans cité là. Et yo tout te mette tête ensemble yo di kounye a pou tout moun refocus yo pour agenda ça agenda qui c'est lower health care cost ça veut dire réduction de coût pour moun acheter assurance santé pa bo Haiti et ça ta supposé yon point central pour tout moun et c'est vrai que nous bien dit nouvelle semaine n'a pas tellement tombé bien pour yo lorsque puisque investigation Mueller a pas porté résultat qui en pile démocrate tapten. Donc je dis nouvelle fight là qu'on est assez protégé Obamacare à tout prix et yo connaît dans discours ça tout et yo pral gagner et ça n'ta rele popularité yo pral gagner de cause yo pral gagner de cause au niveau de population puisque statistique yo clair sur ça américain yo justement population américaine non yo en faveur ou ensemble davantage qui gagne au niveau de Obamacare. Là, c'est ça fait. Puis le public pense que choix Donald Trump là, pour l'introduire une nouvelle bataille, ça, il n'est vraiment pas venu à bon moment. Il est vraiment venu couvrir et dossier Robert Mueller là. Et que Kounye là, nous prenons le temps de plus une nouvelle bataille pour sauvegarder eh bien, Obamacare qui, une fois de plus, menacé, mais ce n'est pas la première fois. Et il était complètement irresponsable de la part des autorités de l'État pour ta renverser une assurance qui couvre autant de monde et autant de monde à utiliser. Et donc voilà, démocrate dit yo va utiliser dossier ça pour yo hammer them. Ça veut dire pour yo justement ba au coup de marteau frapper tête et républicain parce que yo ba aux possibilité ça puisque dans ce sujet ça il y a besoin appui majorité monde dans la population, hein, et que dis sujet ça capable de faire un discours pour yon dans l'élection 2020,
pour montrer que eux-mêmes ils sont du côté de la population, ils sont du côté et d'assurance de la sécurité et de la population en matière de santé. OK? Donc voilà Donald Trump qui a agi un peu chaotique car il s'est livré une bataille après une autre. Nous connaissons que Donald Trump préparait la tour dans le mois d'octobre qui vient là pour la gourmer encore pour causer Borderol là pour une autre fois encore parce que lui-même dit faut le construire. Reste mu et librement donc pile quoi encore avait dit nous qu'à partir dans une cause des shutdown et pour mois d'octobre là mais c'est ça nous pas parce que c'est pas un démocrate qui va le balcon encore pour nous. D'autant plus nous connaissons que bataille a toujours à continuer tout au niveau judiciaire pour national emergency qu'il décrété là. S'il est vrai que démocrate va arriver joindre deux tiers, il t'a fait deux tiers pour capable de joindre pour être overturn national emergency. Il va pas deux tiers, il était une majorité là. Mais il va pas deux tiers là. Donc il veut que la bataille national emergency a l'irrité au niveau de la justice et en pile monde attend que la justice courir dit un mot et pour finir avec dossier ça. Donc voilà, c'est une administration qui a livré plusieurs batailles sur plusieurs fronts. Donc nous devons update ça pour vous pouvoir comprendre que eh bien la dernière bataille pour le sauvetage de l'Obamacare a commencé. Donc dernière bataille avant 2020 pour essayer de mettre deux Obamacare programme ça a été li commencé là et il résiste plusieurs tentatives, c'est point d'interrogation, est-ce qu'elle va passer dernière étape ça? Nous la suivre pour nous porter bah toute dernière update. On attend nous dit tout le monde qui dans Obamacare pour être dans le système, parce que son l'État, et l'État, il dit, et nous était quoi que, même lorsque, si vous avez mis de la terre, vous avez un moyen de transition. Ça, c'est logique. Attendez bien. Même lorsque, si vous avez arrivé à mettre la terre, vous avez un moyen de transition, vous avez un moyen de transition dans la rue. Quand bien même, quand ça vous lagez, ça assurance. Ok, vous avez un alternative. Et puis, le problème, non, c'est que, les républicains, entre eux-mêmes, pas jamais arrivé à mettre ensemble pour bailler une proposition de un projet de loi en matière de santé comme alternative. Never. Je ne vais jamais arriver à faire. Donc, comment ce sens pour nous parler de justement l'élimination de Obamacare? Donc, merci le dossier pour vous brancher connecté avec nous. Portez-nous bien. Yeah, I'm gonna go back.